This is my poison. Salut à tous les amis, on se retrouve dans une nouvelle vidéo où je vais vous expliquer comment nettoyer votre machine à fumer. Donc pour ce faire, vous allez avoir besoin de l'eau déminéralisée, voilà. Eau déminéralisée avec un petit peu de vinaigre. Mais je préfère pas en mettre parce que ça abîme les composants de votre machine à fumer. Donc vous en mettez un tout petit peu. D'abord, il faut faire chauffer votre machine. Donc là, je l'ai fait chauffer, vous voyez bien, il y a le bouton rouge. Et il faut vider tout le réservoir. Donc moi, mon réservoir est vide, mais il faut vider tout ce qu'il y a dans le tuyau, qu'il en reste un peu. Donc on va rester appuyé jusqu'à temps qu'il n'y ait plus rien. Faut attendre qu'il n'y ait plus rien. Là, c'est bon, il n'y a presque plus rien. Voilà. Et là, je vais mettre mon eau déminéralisée. Donc, je vais la verser dans un verre. Donc, je ne vais pas en mettre beaucoup pour commencer. Voilà. Je vais déjà vider ça. Après, je vais verser dans ma machine à fumer. Donc, je vais aller verser. Faut que j'aurais vidé ça déjà. Et après, faut rester appuyé longtemps. Donc il n'y aura pas de fumée à sortir, ce sera normal. Donc là, faut appuyer. Il n'y aura plus de fumée à sortir, ne vous inquiétez pas. Ça va être après de l'eau déminéralisée, on ne sera pas rien. Donc il faut vraiment tout vider. Et faut rester appuyé. Donc faut bloquer la machine à fumer. Donc moi je vais la bloquer en la calant sous un pied de la machine à fumer. Donc pour que ça reste appuyé. Voilà, et on se retrouve quand le réservoir sera vide. Voilà, donc vous voyez bien, ça ne crache plus rien. Mais les lumières s'allument quand même, donc on voit bien que je sens qu'il y a quelque chose. Mais voilà, on voit ça se voit presque pas. Voilà, donc j'ai fini le réservoir. J'ai remis mon liquide fumé dans le réservoir de la machine à fumer. Donc voilà, et là on va appuyer donc, et on va voir ce que ça donne. Donc forcément pour l'instant ça sort pas parce que le temps que se remette en place, le liquide ne sort pas, mais ça devrait pas tarder à sortir. Ça met un peu de temps à tout s'enclencher, mais après ça va sortir. Déjà il y en a un peu plus. Voilà. Ça remarche, donc ça l'a nettoyé, voilà, donc ça a marché. Je vous ai prouvé que le nettoyage de la machine à fumer a fonctionné, donc voilà. Donc si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à mettre un like, à vous abonner à la chaîne, c'est super important parce que je mettrai plein de vidéos, je vais reprendre des vidéos parce que j'avais fait une pause des vidéos. Donc si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à commenter aussi, voilà. Donc je vais vous mettre un peu d'autres plans. Abonnez-vous, likez, commentez.